La société Clavis Atlas est une centrale de services à la personne et aux entreprises spécialisée dans les domaines de l'éducation, de la formation et du médical. Vous serez donc logiquement tenté de vous poser la question, d'où vient l'idée d'organiser ce salon d'orientation scolaire et professionnelle? En effet, fort de nos tournées dans les lycées publics et privés de l'enseignement général et technique, initiés depuis plusieurs années à travers une démarche ethno-méthodologique et dans le cadre de nos activités professionnelles normales, il s'est dégagé le constat suivant, un déficit criant en matière d'orientation scolaire et professionnelle dans notre pays. Il s'y est de souligner que ce constat est loin d'être une nouveauté pour tout observateur et acteur du système éducatif dans notre pays, des pouvoirs publics jusqu'aux derniers citoyens. Ainsi, le besoin d'orientation scolaire et professionnelle s'est dégagé avec acuité. L'abandon depuis de nombreuses années déjà de l'orientation scolaire et professionnelle constitue de toute évidence un drame et l'une des principales causes de la crise de l'école congolaise. Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir d'une initiative prise par la société Clavis Atlas Service, ici représentée par Madame, et de la tenue ici à Pointe-du-Nord dans le département de Pointe-Noire de ce salon de l'orientation scolaire et professionnelle qui va constituer, à mon point de vue, nous en sommes convaincus, un véritable cadre d'échange, de réflexion sur la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle.